sommaire de ce magazine, Vemity, notre présentatrice toujours souriante, relève un nouveau défi en découvrant le wake skate avec son coach Kevin Lénard. Notre doc de la semaine retrouve ensuite, et pour la première fois, l'élite de nos surfeurs locaux qui s'affrontent sur le rift de Avatoru pour conquérir la couronne de la première Air Tahiti Reiroa Horu. Impossible de se quitter sans checker enfin les plus belles images du best du web de notre séquence émotion. Bonne session à tous. Comment tu vas? Impeccable, et toi? Ça va, merci, je suis très contente de te retrouver. Alors dis-nous, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais, ton activité? Ouais. Alors moi, mon activité, on est une école de ski nautique et de wakeboard, et donc on fait tout ce qui est tracté derrière un bateau. Donc ça peut aller donc sur les classiques, ski nautique, monoski, et puis tous les dérivés du wake. Et puis dernièrement, on avait essayé, on a fait un petit peu de foil aussi. Justement, nous parlons des dérivés du wake classique. Donc qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? On a créé tous les dérivés sur la terre, sur la neige et sur l'eau. Et donc bah là, tu as un skate pour faire du wake derrière le bateau. Qu'est-ce qui est différent par rapport au wake classique? Par rapport au wake classique, il y a une chose qu'on voit tout de suite, c'est que tu n'as pas de chausses. Donc là, tu peux pas te rééquilibrer en t'aidant des choses, comme on le fait beaucoup en wake. Là, c'est tout, ça va se rapprocher beaucoup plus du skate et du surf. Donc voilà, c'est un peu plus, les appuis sont plus fuyants et bah, tu peux pas te rattraper avec les chaussures. Quelles sont les figures qu'on peut effectuer avec un wake skate? On arrive quasiment à faire les mêmes figures qu'en skate. Okay. C'est-à-dire que t'en as qui arrivent à faire des show vides, des kickflips et toutes les autres noms de figures que je n'ai pas en tête parce qu'il y en a un paquet. Niveau sécurité, est-ce qu'il y a des précautions supplémentaires ou similaires au wake classique à avoir? Ouais, c'est les mêmes consignes de sécurité qu'en wake. Donc déjà, comme on l'a dit la dernière fois, gilet obligatoire. Par contre, une petite note en plus qui est bien en wake skate, comme on n'est pas attaché, la planche peut partir. Et donc on peut des fois se reprendre des retours sur la tête. Donc un casque, c'est quand même pas mal. Voilà, là pour débuter ça va aller, on n'a pas forcément besoin, mais c'est vrai que dès qu'on commence à faire des sauts, la planche elle part dans tous les sens, c'est mieux. Bon bah j'ai cru comprendre que ça allait être une initiation au wake skate. Exactement. Donc qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Mon petit défi aujourd'hui c'est de tenir, ce dont je doute pas, mais de tenir sur la planche de wake skate, d'arriver à sortir de l'eau et de tenir, et puis bah, si tu te sens bien, d'arriver à me faire à peu près les mêmes choses qu'en wake. Ok, ben écoute, on va essayer tout ça. Hein. Moi, j'adore les nouvelles sensations, donc on va essayer. Allez, feu. Let's go. Tu vas juste te mettre à la surface, tu la laisses flotter à la surface de l'eau. Toi, tu vas être comme ça, à peu près avec la corde aux pieds. Avec la corde aux pieds, avec la corde aux mains, ce sera mieux. Là, et puis donc, tu vas juste poser tes talons sur le bord de la planche. Ok. Moi, je vais tendre la corde. Dès que je te tends la corde, tu as juste à enfoncer tes talons pour qu'elle se plaque à tes pieds. On y va. Super bien, on voit qu'elle a un bon vécu en surf et elle avait l'air d'avoir pris plus de plaisir effectivement que dans les autres activités qu'on a pu faire avec. Ah ouais, super sensation, franchement, je recommande à tout le monde, c'était trop bien. Merci Kevin. Notre doc de la semaine termine la série consacrée à la Air Tahiti Reiroa Horu 2021. Nos locaux se sont donnés à cœur joie dans la base de Avatoru dans de très belles conditions. Et pour savoir qui a remporté cette toute première édition, regardez, c'est tout de suite. C'est sur cette vague de la 20e série du round de 3 que Vaine Fierro, l'une des deux seules féminines à avoir eu cette année le cran de se confronter aux garçons et à la base de Avatoru en compétition, a perdu l'occasion de faire un bon score face à l'un des maîtres, Eyari Williams, qui a su, lui, saisir l'occasion de nous faire la démonstration de tout son talent de tube rider. We'll be right back.
dans cette compétition, c'est sûr que je suis entre des garçons, mais je ne me suis pas trop comparée à eux. J'ai juste voulu surfer de mon mieux et essayer de me challenger dans ce genre de vague-là. Donc ce n'était pas vraiment pour moi une difficulté de surfer contre les garçons parce que je fais ça tout le temps en entraînement, à surfer contre les garçons, donc ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau, mais j'aurais bien aimé mieux surfer dans ma dernière série. Et j'ai aussi récupéré des bouts de corail, des bouts de coraux de Rangiro dans ma planche. Pour les filles, c'est courageux d'être venu. Hein. Surtout là, il y a de la taille, c'est assez dangereux, tu vois. Comme là, je pense qu'il y a un copain là qui vient de se casser les côtes, là. Je pense qu'il il a des fractures. Donc ouais, je dis, en tout cas, chapeau aux filles. J'ai fait deux petites erreurs qui m'ont coûté la série après. Je ne suis pas allée sur une alors que ça aurait pu scorer. Et la deuxième, je suis tombée sur un tube qui aurait pu faire partie d'un de mes scores. Et ensuite, j'ai pas pu m'exprimer à la fin. Il restait 7 minutes et il n'y a pas eu une vague qui est passée. Donc il me fallait qu'à 4 et c'était assez facile à l'avoir. Mais je pense que j'ai fait quelques erreurs qui m'ont coûté cette série. Pour l'instant, comme il y a des vagues, du coup, ben, ce serait top qu'ils finissent déjà notre round. Il manque 4 séries et après ben, on verra pour le round suivant. Mais là, comme il y a des vagues, là ça va, le vent il s'est calmé comparé à ce matin. Le seul conseil, c'est de chercher le tube et de bien se placer dans le spot et d'avoir une bonne stratégie, prendre une bonne vague et avoir son backup juste après. Quart de finale, demi-finale, finale, les conditions de cette compétition ne laissent plus aucune place à l'approximation et la stratégie devient vraiment cruciale pour des athlètes tous hyper aguerris. J'ai mal commencé la série, je suis tombé alors que je pouvais sortir une bonne vague. Et là, Mihi il a enchaîné des bonnes vagues, des vrais bons scores. JB il a eu un 9. Et là, je savais que ça allait être compliqué et que c'est une compète de tubes, donc j'ai tout fait pour essayer de trouver des tubes. Et après, c'était un peu compliqué. Et ouais, c'est vrai que là, il me reste un score et je ne sais pas si ça passe. Dernière jugement 0,67, dernière vague du 7,33, dernière vague du vers 4,53. Ça passe. Ok, les états officiels sont en bleu. Premier en bleu, premier derrière toi avec 9 points et 7,33. Pour un total de 6,33. Deuxième en vert, Vascaoui. Ça passe. On a eu beaucoup de vent, ma série en quart, elle était difficile. Et là, on a eu vraiment des vagues parfaites, des gros tubes et tout. Et c'était, ouais, j'ai eu de la chance de trouver la dernière, surtout à 20 secondes de la fin. Carrément content, là, j'ai réussi à me qualifier en finale. J'avais du gros calibre face à moi, j'avais Kaolivas, un gars de la presqu'île, Teiva et Mihmana Braille, hein, qui ont super bien surfé aussi dans la série. Et chance, j'ai bien tiré mon épingle du jeu. Quoi. Déjà au début de la série, c'était assez lent. Il n'y a pas eu de vague. J'ai eu ma première vague au bout de 15 minutes. Et par chance, ben, c'était la bonne. Quoi. J'ai vu le mieux venir, c'était carrément parfait. Et je me suis dit, allez, lance-toi dedans et on voit ce qui se passe. Je suis allé et ça a accéléré et je suis sorti de là et j'ai eu un 9. Des fois tu peux commencer avec un 9 mais si tu n'as pas de bon backup derrière une bonne deuxième vague, tu peux te faire éliminer. Du coup, il fallait que je cherche un backup pendant que les autres avaient la priorité. J'ai réussi à avoir un 5 points et après ils ont pris des vagues et j'ai récupéré la priorité. En fin de série, j'ai eu un 7 et quelques. Du coup, je suis pu maintenir ma première place. Quoi. À l'aise, les conditions sont revenues, il y a moins de stratégie à se faire. Quoi. Vu que la vague est là, il y a juste être au bon moment. Et si, c'est dur justement, c'est ça la compétition, il faut réussir
à se reconcentrer, à essayer de justement de prendre les meilleures vagues encore. Et tu sais qu'il reste un certain temps sur la montre, donc le temps qui reste, il faut booster et essayer de les dépasser. Carrément excité, j'étais bien concentré parce que dans la demi-finale, il y avait quand même y a des bons concurrents, quoi. Il y avait Enrique, il y avait Novi, il y avait Tereva. Ce qui m'a bien aidé, c'est d'avoir sujet sur la première vague et après d'être à l'aise sur la deuxième. Il paraît qu'il a bien commencé la série. J'ai essayé d'avoir les vagues après. Quand j'avais la priorité, j'ai attendu et voilà, c'était cool, j'ai eu des bonnes vagues. Objectif atteint, on arrive en finale, trop content. Tous ces entraînements, ça a payé, quoi. La règle du jeu de cette fin de compétition, des séries de 25 minutes et les deux meilleures vagues comptabilisées en finale pour Noah Eto'o. À cet ultime stade, ils sont encore quatre ténors à se battre pour cette couronne d'écume. Kaoli Vaste, Veiatua JB Prunier, le tranquille Enrique Arihitu et Efarato Utini Junior rendus au bout de l'effort. Au terme d'une bagarre acharnée sous un ciel de rêve, c'est le petit prince de Teahupo'o, Kaoli Vaste, qui remportera la première édition de cette Air Tahiti Rairoa Orwe en s'imposant sur le score de 16-80, laissant assez loin derrière Efarata Utini Junior à 10-80, JB Prunier à 9-20 et Enrique Arihitu à 9 points, qui se seront tous formidablement accrochés. Et tout le monde est à 3-4 cette compète et je pense qu'on a gagné. En tout cas, c'était à l'eau. Il a bien géré et voilà, il a bien surfé, il a pris ses vagues et il a montré qu'il était le boss. Toute l'équipe Tahiti Iti, tous les boys, on l'a motivé. Comme Momo, voilà, et tous les autres. Voilà. Depuis le début de la compétition, on avait tous cette vibe-là avec tout le monde, c'était génial. Et le fait de venir ici en groupe, un peu en famille, c'est exceptionnel. Et puis là, chaque série, on a passé ensemble, et tous ensemble, et jusqu'en finale. Et là, j'ai gagné la finale et on est tous très heureux. Ah oui, non, mais toutes les séries, j'ai eu chaud aux fesses. Et là, c'est à chaque fois, c'était hyper chaud. Tout le monde a eu chaud et malheureusement, j'ai gagné. Je suis super content. Malheureusement, c'était pas... Ça l'a fait plaisir, surtout ici en Polynésie, à la maison. Malgré le Covid, j'ai pas trop voyagé, mais là, je suis content d'être là, surtout ici à Rangi. Et merci à tout le monde, et super de l'avoir gagné. Et maintenant, on regarde les plus belles images de la semaine dans le Best du Web. Aujourd'hui, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le revoir en replay, rendez-vous sur la plateforme de Polynésie, la première, ou bien sur nos réseaux sociaux. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, bon sport et bonne glisse. Nana.